Quoi? J'ai pété la batterie et le moteur? Mais je suis rentré dans rien! Oh, ça c'est chaud! Et salut tout le monde, c'est Max Ayalva Max et aujourd'hui on se retrouve du coup pour la deuxième partie de notre gameplay sur Myst Survival. Alors aujourd'hui les amis, on va reprendre là où s'en est arrêté. Ça fait quelques jours, peut-être 4-5 jours, je n'ai pas joué à Myst parce que j'avais beaucoup de choses à faire. J'étais pris par Fortnite et puis ma vie est réelle. Et puis du coup voilà, je sais même plus vraiment où s'en est arrêté, mais on va recommencer là. On va recommencer là. Alors, on était à notre maison, très bien. Ok, alors, est-ce que j'ai pris ça, je l'ai fait. Faut que je me remette un peu dans le mood, où est-ce qu'on en était. Ok. Oui, quelle heure là, tac. 10h28. Bon, très bien. Bon, je sais ce qu'on va aller faire. On va aller chercher des pièces pour la voiture, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on a déjà pour la voiture? Qu'est-ce qu'on a sur nous? On a rien, on a des pneus. À la rigueur, ouais, on va aller commencer à les monter. Tac. Alors, du coup, ouais, aujourd'hui, j'ai pas vraiment de... Le but précis à part chercher des pièces pour la voiture. On a quand même pas mal hein, déjà. Il manque des pneus, après on a déjà la batterie. On n'a pas le moteur. C'est le truc le plus chiant à trouver, je sais plus du tout où il est. Je pense qu'il est là-haut là-bas. Mais on va aller voir ça. Est-ce qu'on avait déjà trouvé le réservoir? Je crois qu'on avait déjà trouvé le réservoir, le gas tank. Faut que je vérifie. Tac, si c'est pas là. Oui. Oh mais j'avais déjà une roue en plus, ok parfait. Ouais donc. On va faire ça, on va prendre ça. Je vais ranger mon stuff. J'ai déjà une batterie, excellent. Donc, toi tu vas aller là, toi aussi. Tac, non, oui. Ah je me rappelle à peu près où sont passées toutes mes merdes. la boîte à bouffe, ça c'est l'eau. On va garder une bouteille. On est où? Ah oui, on va boire, on va manger même d'ailleurs. Hop là. Mange-moi ça. Et bois-moi ça. Voilà. On est pas mal là. Donc on va garder ça. On va... Non, les sodas c'est à côté. Je crois que j'ai fait une pièce spéciale soda. Ouais. Hop, hop. Tac, tac, tac. Donc on va aller tout de suite... Attends quoi? Non, j'ai pas dit. On va tout de suite aller... remplir ça. Hop là, mettre la roue là. Il me semblait que j'avais pris mon réservoir, j'ai dû le laisser là-bas comme un idiot. Je pars déposer le sucre et les bandages. Bandages je garde toujours, on sait jamais. Le sucre. Rien à foutre, c'est pas là que je rangeais le sucre. Où est-ce que je le rangeais le sucre ici? Là? Ah là voilà. Tac, et ça, ça va dans le tiroir. Un vieux tiroir pourri, voilà là. Ok, et eh ben c'est parti, pas besoin de bouffe parce qu'on va pas partir pour très longtemps. Attends, bah. Ah oui. Y'a quoi en dessous là? Là. Allez c'est parti. Donc comme je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas joué les gars. 4-5 jours, et encore je suis peut-être gentil, parce que ça fait peut-être même plus. Donc, on va se remettre tout doucement dedans. Et je vois un peu où est-ce qu'on s'est arrêté aussi. Aujourd'hui, à part commencer à chercher les pièces pour la voiture et du coup explorer un peu plus en détail, récupérer du stuff, j'ai pas énormément de choses de prévu. J'étais en train de jouer à Fortnite avant, j'ai pas eu envie nécessairement de jouer plus que ça parce que je me suis énervé. J'ai perdu. Et donc du coup... Oh! Waouh! Mais c'est magnifique! Un moteur! Je pensais que ça allait être le truc le plus chiant à trouver, mais c'est parfait. Et bah voilà. Et bah, il ne manque qu'une roue. Et avec cette roue, on pourra y aller. On pourra faire rouler la machine. Putain, excellent! Oh, la surprise du chef, quoi. Merci. Je ne m'attendais pas du tout. Je suis très content pour le coup. Très 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 content. Ah, ce serait pas un pneu là-bas là? C'est cassé? Non? Je sais pas. Voilà. Ouais, vas-y, viens. Ah, il y a un accident là. Il n'y a pas un pneu qui traîne par terre. Je fais attention parce que je sais qu'il y a un ours qui traîne dans les parages. Je prends une... Bon, ramasser cet ours de merde. Tac. Ça, je peux pas ouvrir. Eh ben voilà. Eh ben voilà, les amis. On a de quoi faire démarrer la voiture. On va aller faire démarrer tout ça direct après. Tac, toi, viens avec moi. Oh là là, mais quelle surprise! Quelle agréable surprise! Je vais voir ça. Il y a un truc qui m'intéresse, je crois, ici. Un truc qui m'intéresse fortement, même. Tac. Alors, ouais, on remplit. Toujours remplir, hein. Dès que vous voyez une voiture, prenez l'essence, ça part très vite. Ça part très très vite, l'essence. Pas si vite que ça, quand je vous dis ça, on dirait que ça part vraiment... Attends, j'y étais parti, non. À une vitesse folle, mais ça part assez vite. Pourquoi j'ai pris la pierre? Vas-y, bandage 1.
Encore un pneu, toujours bon à prendre. Et l'essence. Hé hey. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. On avance beaucoup plus vite que ce que j'aurais pensé. Vraiment, je suis content d'avoir déjà pu trouver ce moteur qui traînait par hasard. Oh bah putain, alors là. Allez les gars, c'est la folie. Un autre moteur. Mais je comprends pas. Quand j'ai joué la première fois tout seul à ce jeu, bon c'est vrai que je suis pas allé dans cette zone rapidement, mais je me rappelle pas qu'il y avait autant de moteurs ici. Pour moi, il y avait bien un moteur ici, mais il était par terre déjà, pas dans une voiture. Peut-être que je me trompe et je confonds avec un autre endroit. Et surtout, j'ai pas eu de voiture avant le jour 5 ou 6. Non, non, merde. 5 ou 6, quoi. Donc, ouais. Bah, écoute. On va pas se plaindre. Hein. On va pas se plaindre, loin de là. Je peux ramasser ça? Ouais. Oh là là, quelle agréable surprise. On peut pas... Si, ça, on peut ouvrir. Il y a un truc à l'intérieur. Voilà, c'était ce moteur-là que j'avais vu, vous voyez. Ça, on n'a pas besoin, vu qu'on en a déjà une là-bas. Des batteries et tout ça, et puis beaucoup de stuff. Hop là, ouais. Ah non, c'est bien ça. Ah, je suis agréablement surpris, les gars, je vous avoue, pour le coup, là. On va aller remplir la voiture. On va faire toute la voiture, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre. Et malheureusement, on peut pas tout prendre. Encore des pneus, je peux pas le prendre, s'il me semblait. Et voilà. Mais... très bonne surprise, très très bonne surprise. Donc vas-y, je vous retrouve à la maison, je vais faire une ellipse forcément. Sûrement en tout cas. Faut pas que l'épisode soit trop... Oh putain, je viens de le voir, je regardais pas mon écran. God damn. Il est où? Attends, il a des pops. Quoi? J'ai juste à reculer, il a des pops. Oh la surprise. Ok. Wow. Vous voyez pourquoi je suis pas serein? Oh là 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 là. J'ai dit qu'il y avait un ours citré dans la région. Bon vas-y. Bon, on est presque à la maison. Mais je fais quand même ellipse. A tout de suite. Putain. Oh ok. J'allais faire l'ellipse, mais regardez ce qui se passe. On a le brouillard qui est là. Donc je vais rentrer chez moi. Peut-être que j'aurais même pas besoin de vous montrer ça. De toute façon je vais me barricader hein, comme je sais bien le faire. Dormir comme je sais très bien le faire aussi. Et on se retrouve tout à l'heure. Pas barricadé mais... Toujours pas ? Voilà ! On a dormi, on a échappé, malheureusement c'est le soir et ça, ça me fait chier. Ah la tempête. Voilà pourquoi si j'ai pas voulu rester éveillé durant la tempête, faire mes trucs à l'intérieur, c'est parce qu'ils peuvent passer par ma maison encore. J'ai pas encore comment dire réparer, on n'a pas réparé, mais préparer ma maison aux assauts. Parce qu'il y a une manière très simple de préparer votre maison pour être sûr que jamais ils ne rentreront. Et je vous montrerai tout ça après. Donc voilà, parfait, regardez, elle roule la voiture. Donc hop. Voilà. Et donc du coup là, si on va dedans et qu'on conduit, on allume le moteur. Parfait. Parfait. Excellent. Excellent. Donc on va aller vite chercher les choses qu'il y avait là-bas avant que la nuit tombe. Et puis pendant que la nuit tombera, bah... Alors faire très attention à ne pas prendre de dégâts aussi. Hein, parce que votre voiture s'abîme. Elle a une durée de vie. Donc une fois qu'on aura cherché tout là-bas et rempli un peu la maison, bah, on va pouvoir commencer peut-être à préparer les défenses. Je ne pense pas avoir assez des matériaux nécessaires encore, mais ça reste à voir. Alors, on sort la voiture. On va pas éteindre le moteur, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à passer ici, donc ça sert à rien. Tout ce qui est voiture, on fout dedans, tac. Tout ce qui est voiture, de toute façon, je vais foutre dedans et le laisser dans mon coffre. Peut-être faire un coffre spécial à la maison. Un coffre spécial, un armoire spécial pour la voiture, mais je ne sais pas. Tac, il y a quoi dedans? Ouais, ça je vends. Il n'y a pas moyen de la prendre. Alors, je sais pas si c'est possible. Jamais essayé, mais apparemment. Allez, allez. Apparemment. Allez, non? Oh bah. Oh bah. Je sais pas si je peux. Non. Non, on m'avait bien dit que... C'était... Ouais, ça marche pas ça. C'est dommage. J'aurais bien voulu la ramasser chez moi. Tant pis.
Oh tant pis, hein. C'est juste dommage parce que ça aurait été un truc en plus, mais bon. Son bateau récupéré ici. Je crois que oui. Hein. Ah, c'est pas vu toi. Je crois qu'on est bon. Et ben on va rentrer à la maison tout de suite. Alors par contre faire demi-tour sans taper rien du tout. Vu mon niveau de conduite, j'ai loupé 3 fois mon permis avant de l'avoir. Tac. Ok, pas mal. Allez, on rentre. Ah, je suis très content d'avoir pu faire fonctionner cette voiture direct. C'est un régal, un vrai plaisir. Et voilà. Et bon, on reste là. Tac, on éteint le moteur et on sort. Donc, tout ce qui est là, on en a rien à faire. On va commencer par ranger un peu. Tac. Je vais changer, je vais créer des armoires. Parce que là, vous voyez, si on va, si on appuie sur le menu de... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. De craft, on peut aller ici dans tout ce qui est maison. Hop là, non, maison c'est là, voilà. Et rangement. Rangement, c'est ça. Donc voilà, on peut créer des armoires. Il nous faut quelques morceaux de planches, des metal scraps, on en a, des composants. Donc ouais, on va construire ça. Comme ça, on va les aligner ici, là, sur le mur qu'il y a là. Et une fois qu'ils seront alignés, comme ça on pourra ranger tout, faire un peu plus d'argent parce que là c'est pas top ce qu'on a. Mais avant, est-ce que j'ai assez de matériaux pour le faire? Tac, 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 c'est où déjà? C'est dans B encore? Oui c'est là, je suis bête. Voilà. Ouais, il faut des sticks. Et comment on fait des sticks déjà? C'est là, ouais, ouais, on va faire ça. Mais avant, je vais vous montrer comment sécuriser votre maison à coup sûr. Comment être sûr qu'il n'y ait pas de problème, que tout soit... Que aucun affecté ni bandit ne puisse rentrer dedans. Alors pour l'instant les bandits on n'aura pas de soucis vu que je les ai pas forcément attaqués, je crois même pas du tout attaqué. Mais les infectés forcément ils vont venir. Ils sont là, ils vous oublient, ils vous ont pas oublié. Tac. Ça, c'est quoi ça qu'il fallait je crois aussi. Ça on prend. Alors regardez. Vous allez là. Vous allez dans ici là, le truc pour les poules. Prenez ça et vous faites ça. Livestock fence. Vous l'alignez sur les planches, seulement les fenêtres avec les... Je suis désolé, j'ai qu'un seul sens de tournée parce que j'arrive pas à le corriger. Voilà. Les fenêtres, ouais, il y a les planches. Et voilà. Vous l'alignez joliment bien comme ça. Tac. Et voilà. Et ce seront impossibles. Ils ne pourront pas passer à travers. C'est impossible, vous voyez. Enfin, je vous conseille de ne pas rester à côté des fenêtres quand même, mais ils ne passeront pas à travers. Et ça, c'est un glitch, j'espère qu'il ne sera pas fixé, parce qu'il est très pratique. Très 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 pratique, on va pas se mentir. Allez. Allez. Ah, attends, j'ai pas de marteau? Où est-ce mon marteau? Quoi? Attends, quoi? J'ai... Il a mon marteau, mais... Il a dû se casser sans que je le vois, je sais pas. On va voir. Je ferme la porte, ça me stresse. Hop là. Donc, qu'on ait un peu d'action après, on va aller explorer. Mais pourquoi tu veux faire un bed? Non, non, non. Hop, hop. Et voilà. Alors, il y a marqué durability de la barrière. Donc, forcément, ça aura une durée de vie. Je ne sais pas de combien la durée de vie est. Mais il faudra peut-être la réparer. Mais avec ça, vous êtes assuré d'être très tranquille. Pendant un bon gros mouvement avec cette maison. J'ai du mal à parler, désolé. Tac. La prochaine chose qu'on va faire après avoir exploré, c'est regarder les matériaux qui nous faudront pour construire ça. Non, c'est là. Ouais, ça. La machine, la saw machine. Je crois qu'on a tout. Je crois qu'on a tout. Il nous manque peut-être. Non, non, on a trouvé les électroniques. Bah, après, ça va être la prochaine chose qu'on va construire. On l'a placé dans le garage et parce qu'on va faire beaucoup plus de bois facilement avec ça. Tous les outils de bois sont beaucoup plus rentables en fait. Surtout, c'est pas qu'ils sont plus faciles, mais ce sera beaucoup plus rentable. Ça en vaut largement le coup. Hop, 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 hop. Tac. Voilà. C'est combien? C'est, je crois que c'est 5. Il en faut des... Ouais, je crois qu'il en faut 5. Pour qu'on se... Oh, c'est vachement calme. Entendez ça? Il y a zéro musique. Est-ce que c'est moi? Attends, est-ce que c'est... Ouais, non, non, même, elle est là, elle est là. Il n'y a rien. C'est d'un silence vraiment pesant. Je sais pas vous comment vous le voyez.
Moi je suis pas serein là, je n'aime pas du tout cette ambiance. Voilà. Tac. Ouais, non, j'aime pas du tout. On va rentrer dans la maison. Ouh là 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 là, comment c'est flippant. On entend que mes bruits de pas. Oh là là, j'ai l'impression de jouer à Slender avant d'avoir trouvé la première note. Je... Non. J'aime pas du tout. Ouais, alors, tac. Non, s'il te plaît. M'embête pas, hein. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait ce... Je sais pas si c'est un bug ou autre chose, mais c'est pas du tout, c'est... Pas du tout agréable. Non, c'était que 4. Je suis bête. Ça va me perturber. Je veux que ce soit bien droit, sinon ça va me perturber. C'est pas forcément droit, mais c'est mieux que rien. Ça va. Ok. Ouais, j'aime pas du tout. Ouais, c'est pas du tout bien cette ambiance. C'est pas du tout bien, j'entends rien, je n'aime pas du tout. Bon, la dernière. Et voilà, et là vous êtes assuré d'être tranquille contre les invasions de... Oh merde, il était bien je crois. De ces infectés, pour ne pas dire zombies. Je vais essayer d'éviter de dire zombies, mais c'est le mot qui me revient le plus fréquemment. Allez. J'ai pas mes touches QR en fait pour rotate, moi je n'ai pas les touches QR, j'ai d'autres touches et c'est un clavier qui va être pour les américains. Et j'arrive pas à trouver ma touche R, j'ai trouvé le Q, donc pour aller vers la gauche, c'est W sur mon clavier. J'ai essayé X, ça n'est pas, ça ne marche pas. Je sais pas encore ce que c'est, donc tant pis, je trouverai peut-être plus tard. Donc, on est tranquille, on est bien, même si c'est très silencieux. Il est quelle heure là? Il est 21h20. C'est quoi, je pense qu'on va faire une petite pause et dormir et se réveiller demain avec la musique parce que je déteste cette ambiance. Et moi, je vous retrouve après une petite ellipse. Tac. Ok, me revoilà. Alors, on les fait dormir un peu. Toujours pas de musique, c'est stressant. Mais je ne vais pas attendre non plus toute la nuit alors que j'ai pas besoin de dormir, j'ai besoin de faire des trucs, etc. Donc, on va se relever. Tout de suite, ce que je voulais faire, c'était quoi déjà? Combien il fallait déjà pour faire un rangement? Mais c'est ça, le bois. Est-ce que j'ai du bois? Comme ça. Non, je n'en ai pas. Alors si je n'en ai pas, bah pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais faire plutôt autre chose. À savoir si j'en ai, je suis con. Mais je vais faire déjà ça, parce que c'est plus important. Et ça me stresse de ne pas l'avoir déjà. C'est ça. Sommage. Repair bench. Furnace. Reloading bench. Oh! Les amis! Ils ont ajouté des nouvelles choses. Je ne les avais pas vues. Je ne les avais pas vues. Ils viennent de faire une mise à jour tout à l'heure. Non! Incroyable! Les nouveaux accessoires. Oh, je suis trop content. Là, y a rien. On s'en fout. Ok. Je suis très content. Ce que j'adore surtout, c'est ça. Reloading Bench. On peut créer des munitions. Et ça va être très utile. Très, très, très utile. Furnace. Attends. Est-ce que... J'ai toujours un Blacksmith. Ouais, c'est bon. J'ai toujours un Blacksmith. J'ai pas besoin du Furnace. Repair Bench, ça, c'est cool. C'est pas mal. On va s'en servir. Mais surtout, la Reloading Bench. Ça, c'est incroyable. Bravo! Bravo pour ça, j'applaudis à main levée. Oh ça, oh je suis content. Je suis très content. Alors déjà on va prendre ça, où est-ce que c'est ça là? Oh c'est bien, c'est génial, je vais découvrir ça avec vous tout à l'heure ou dans un autre épisode. Mais je vais découvrir ça avec vous. Oh le plaisir que c'est. Vous n'avez pas, ah merde attends, je n'ai pas de. Oh non, j'en ai plus. Oh merde, quel idiot. Peut-être dans la voiture mais je crois pas. Ah le plaisir que c'est les amis, vous n'avez pas idée. Ah c'est un régal. Yes, yes, yes. Eh non, je n'en ai pas évidemment. Mince. C'est pas grave, c'est juste chiant, mais... Oh là 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 là, je suis tellement content de ces nouveaux accessoires qu'ils viennent d'ajouter là. Oh, c'est fantastique, c'est vraiment cool. Vraiment ça va apporter... Je suis désolé, je suis en train de réfléchir, mais ça va apporter tellement de possibilités. Ah oh ouais. J'avais beaucoup de problèmes à attaquer les bandits dans mon LP perso parce que forcément je n'avais pas beaucoup de balles. Et c'était chiant à faire, à chercher, etc. Mais là ça règle énormément de soucis. Ok, allez. On va aller chercher des composants. Ah oh ouais, bravo. Bravo à vous pour cette amélioration là. C'est bien parce que... Oh putain le con. Oh putain le con. Je crois que j'ai niqué ma voiture un peu là. Vu que c'est un jeu en open access, early access plutôt, il y a beaucoup plus de... Il y a beaucoup de mises à jour qui viennent, qui vous surprennent un peu souvent, et c'est vraiment sympa. Ok, là il doit y avoir un peu de composants quand même.
Je sais qu'il y a, au pire, il y a le... Une poule. Il y a le motel là-bas. Et ça, c'est cool, parce que du coup, on pourra aller chercher des trucs, mais il y a des zombies, et je suis pas du tout confiant pour m'attaquer à des zombies, pardon, des infectés. Je suis pas du tout confiant pour m'attaquer à des infectés là, tout de suite, maintenant. Ah, mais non, il y a une maison là, attends, est-ce qu'il y a des infectés dedans? Ça, je sais pas du tout. Hop, viens avec moi, toi. Beaucoup de merde, là, qu'on va balancer dans ça, on peut garder, mais tout ce qui bouffe, là, pour l'instant, on va s'en débarrasser. Tac. Et ça, c'est cool. Ah, je suis désolé, je suis encore... Mais attendez, j'ai une idée. J'ai une idée. Est-ce que je peux faire ça? Je suis pas sûr. On va voir ça avec vous en direct. Hop là. Mais je crois que je peux casser le workbench qu'il y a là-bas. Si je peux le faire, ça veut dire que je récupérais énormément de matériaux. Et ce serait cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux regarder ça aussi. Alors. Oh, génial. Oh, génial. Regardez. Oh oui! Il n'y en a qu'un seul, mais c'est toujours ça. Le bois, on sait jamais, on prend. Oh là là, excellent! Surtout les métal. Mais! Ah, ils sont là. Je me suis dit, putain, ils ont disparu. Excellent, ça! Ah là 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 là, mais que de bonnes nouvelles aujourd'hui, là, dans cet épisode, les amis! Quel plaisir de jouer avec vous! Eh, putain, regardez ce que je... Pardon, désolé pour la vulgarité, mais regardez ce que je loupe, là. Pas faire attention à là où je vais aussi. Pas ouvrir ça. Ok. On va aller voir inspecter la petite maison aussi qu'il y a là-bas. C'est génial. C'est vraiment génial. J'ai inspecté ça déjà ou pas? Ouais, je pense que je l'ai prise. Ouais, je l'ai prise. Ok. Génial. Tout simplement génial. Bonne nouvelle pour nous. On va découvrir tout ça aussi vite que possible. Hein, parce que j'ai complètement hâte de voir ce que ça va rendre. Hein. Génial. Oh là là. Si on peut réparer tout ce qui est voiture et les parties de voiture aussi, ce serait très utile. Parce que bah, y en a mine de rien, vu que c'est un... M'a fait très peur. Vu que c'est un... Un peu ça. Non, merde, j'ai fait une bêtise. Un monde qui est fermé. Qui est... Ah, la musique revient. Un monde fermé, forcément, y a un nombre limité de spawn. Et on se retrouve vite bloqué. Et c'est très embêtant. Super, je suis full. Et de faire des bêtises comme ça. Oh mince, la batterie, la batterie, la batterie, la batterie. Oh, ça a dû l'abîmer ça. Ouais, ça, heureusement j'en ai d'autres, mais bon. Je peux pas faire espace. Ouais, non, ça va vraiment être une super avancée, là, ce qu'ils ont prévu. Je suis très content. Très content d'eux. J'adore quand le jeu fait des améliorations comme ça, c'est... Ah non, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool de leur part, quoi. T'as vraiment l'impression que t'es écouté, ils pensent à toi, tu sais. C'est pas un jeu qui est mort, qui est en early access et qui vont laisser tomber, non. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Tac, 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 ouais. Tac, y'avait pas autre chose? C'est vrai qu'il y a autre chose. Tant pis. Un poulet! Alors, on va pas le tuer. Je suis tenté, on va pas le tuer. Un poulet et une vache! Ce qui... Qui connaîtrait un peu ces références. Le motel, on va pas y aller. Ça sera à la limite les voitures là, parce qu'il y a des infectés dedans et je ne veux pas me battre contre eux. Je n'ai que 2 balles de shotgun. Je n'ai même pas de petit flingue. Je ne sais plus où il est. Donc je vais pas prendre le risque d'aller chercher. Génial, viens là. Tout de suite les embrouilles avec eux. Parce que je crois qu'il y en a 3 et ils vont tout simplement me laminer la face si j'y vais. Et je préférerais éviter. Combien il nous fallait déjà de ça? J'en ai 4 là. Je n'ai plus, je crois que je les ai pris ceux qui sont chez moi et il m'en faut 6. Ah ben voilà, super. Génial. Suite demandée dans le jeu et vous aurez tout ce que vous voulez. Parfait, donc on va rentrer à la maison. C'est bon, on a ce qu'il me voulait. Moi je n'ai pas envie de... Est-ce que je peux la choper? Est-ce que je peux la... Bon, de toute façon, même si je la chope, ça sert à rien. Il faudrait que je la ramène tout là-bas et j'ai pas envie, j'ai la flamme. Il y a des poules bien plus proches. Ah oui, ça, c'est aussi. Avant, je vais stocker les choses en plus dans mon inventaire. Donc les amis, là c'est incroyable ce qui se passe. On a une possibilité de faire beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ça c'est cool. Vraiment cool. Parce que... tac, tac. Parce que là on va voir vraiment avancer rapidement. Moi le problème dans ce jeu c'est que j'étais bloqué très rapidement. D'un moment, bah, je savais plus que j'avais plus grand chose à faire. Enfin, pas plus grand chose, mais qui c'est qui me lance des cailloux dessus là?
C'est que d'un moment, ça c'est. Comment dire, j'ai exploré un peu toutes les possibilités de ce jeu. Et j'étais perdu quoi. Je savais pas. J'avais pas assez de connaissances, etc. Et vu que j'avais déjà un épée derrière, bah là forcément j'ai beaucoup plus de possibilités, de choses à faire, de choses à vous montrer. Et ça c'est bien, c'est très bien pour vous. Hop 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 hop. Les vis je peux? Ouais, les vis je peux, parfait. Yes. Il n'y a pas grand chose normalement ici, hein. C'est une maison qu'on peut habiter, ça vaut pas le coup d'aller habiter ici, je vous laisse deviner pourquoi, c'est la maison qu'on a, hein. Mais voilà. Allez, on rentre à la maison. Ah, oh, c'est cool. Encore une fois, je suis très content. Oh. Oups. Allez, on rentre à la maison. Bon, et ben on va faire beaucoup de craft là, beaucoup d'organisation, rangement de la maison. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de meubles à construire, de rangements à faire. Et après, on verra bah, sur quoi on se dirige, sur quoi on s'organise. Eh, hey, hey, freine, oh. Ah, j'ai éteint le moteur. Quoi? Ah non! Oh merde! Ah, oh! Quoi? J'ai pété la batterie, le moteur? Mais je suis rentré dans rien! Oh, ça c'est chaud! Je suis rentré dans rien du tout pourtant. What? Attends, oh non, est-ce que je fais une bêtise? Oh merde, j'ai laissé mon réservoir là-bas d'essence, putain. Bon, petite ellipse, je vais le chercher et puis... puis je reviens. Oh merde. Et oh super, ça a annulé, tant que j'ai... Oh, ça me stresse parce que ça s'est jamais cassé aussi vite et je suis pas rentré dans un truc, du moins j'ai pas l'impression. Bizarre, très bizarre. Bon, on verra bien. Peut-être que c'est moi qui suis rentré dans quelque chose. J'ai pas bien vu. Peut-être c'est ces petits arbres là, hein. Peut-être que ça fait des dégâts, je sais pas. Je suis tout roulé dessus, mais pour moi c'est tellement petit et anodin. Bon, bref, on va essayer de les éviter et on verra. Très bizarre en tout cas. Oubliez ce genre de choses. Typiquement, ça c'est moi. Bon, on a combien? 14? Ouais, 15 d'essence, ça c'est bien. Je me demande vraiment dans quoi j'ai pu bien rentrer pour abîmer ma voiture à ce point-là. Parce que là, je fais... là on dirait pas, hein, mais je touche rien. Là. La manière dont je conduis comme ça, non, je ne touche vraiment rien. Donc je sais pas ce que j'ai pu prendre. Peut-être là, genre, en arrivant en roulant comme... Ah merde, c'est pas là qu'il fallait que je tourne. En roulant comme un dératé, j'abîme un peu la voiture, mais... Tonnerre, quoi. Je suis en train de prendre des risques inutiles, la maison est là-bas. Juste la fin de devoir passer par la route. Hop là, ouais. Ah bah, je m'en sors bien. Je m'en sors très bien. Oula, 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 oula. Non, j'ai failli faire une bêtise. Tac, allez, on reste là. On éteint le moteur et on sort. Bon, maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, réfléchissons. Non, des morceaux de bois, je les ai mis dedans. Tac, tac, tac. On a ça. On a les deux moteurs, les pièces. Je crois que c'était du metal scrap ce qu'il nous fallait. On va vérifier tout de suite. On a tout. Parfait. Eh ben, c'est parti. On va la construire. On va le mettre là dans le garage. Je pense, ouais, au niveau de la porte, c'est pas mal. Tac, tac, tac. Je sais pas si c'est à l'envers, je sais jamais. Je crois que c'est bon comme ça. Allez, c'est parti. Oh, excellent. Très bien ça, très très bien, je suis très content. C'est le brouillard là? C'est le brouillard qui arrive là, je suis pas fou. Je sais pas, j'arrive pas à dire. Là, regardez, là si vous voyez, si on va dedans, qu'on veut faire ça, ça par exemple, on en a... Attends, ouais c'est bien ça. Là, pour faire, voilà, pour faire des logs, des wood avec des logs, on en aurait 6, alors que là, dans le... là on aurait que 4, c'est bête et on n'a pas besoin de scie. Alors c'est bête hein, mais vous voyez qu'on va construire des murs partout autour, ce sera un grand soulagement d'avoir ça ici et on pourra assigner des ordinateurs, des AI, des Artificial Intelligence pour nous aider et ça change la vie tout simplement. Bon, je crois que le brouillard va pas tarder d'arriver donc je vais prendre tout ce dont j'ai besoin là pour les matériaux. On va se foutre à l'intérieur
Et on va commencer à construire tout simplement. Faire du rangement. Faire du rangement, ouais, surtout ça que je voulais dire. Toi, tu peux rester là. Tu viens, toi tu viens. Parce que j'ai pas envie de faire un autre aller-retour. Il va rester là le coca. Ouais, je crois qu'il y a le brouillard qui va arriver. Pas prendre de risque. On va se mettre là, le temps de fermer. Parfait. Excellent. Et là, de toute façon, si les amis veulent venir nous faire chier, pas de soucis, hein, allez-y. Attaquez comme vous voulez, vous ne m'embêterez pas. Donc, toi, la pierre reste là pour l'instant. On va faire du rangement pour commencer, pour pouvoir organiser un peu plus bien la maison. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? On a tout ce qu'il faut. Bon, pour en faire un seul de locker. Je peux faire rouge ou blanc. Je vais faire rouge parce que ça ajoute un peu de gaieté à cette maison qui m'a l'air vachement triste quand même. Hop. Hop, tac. Tac, c'est très compliqué de les aligner, je trouve. Ok, d'accord. Oh putain. J'ai appuyé sur kick droit sur un réflexe. Tac. Ah, faut que je retourne et tout, putain. Oh là là, Maxime, c'est tant que tu perds. Est-ce que ça alignait par rapport au... Ouais, ça a l'air aligné, hein, à peu près. Il manque un tout petit coup. Ouais, c'est trop. Tac, 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 tac. Ouais, pas mal. On est bien là. N'appuie pas sur qui droit, Maxime, s'il te plaît. Trop dans le mur. Alors, tac. Voilà. Allez! Voilà. Pourquoi c'est bégayé comme ça? Yes! Parfait! Donc dans ce petit locker, on appelle ça casier, on va mettre... On peut laisser les pièces en voiture. Oh mais tout ça! Tout ça là, ça me gêne. J'aime pas du tout laisser ça dans les tiroirs de la cuisine. Je sais pas, c'est bête hein, mais ça me perturbe. Ou alors on peut laisser tous les metal scraps là, parce qu'on en a beaucoup quand même. Et prendre tout ce qui est bois. Ouais, on va faire ça, on va prendre tout ce qui est bois et le foutre là-bas. Hop. Bon, tout ce qui est clou. Bon, ça pour l'instant ça reste là parce que j'ai... Ah si, mais voilà. Tout ce qui est clou et toutes ces conneries, ça laisse là. Et tout ce qui est bois, ça ira là. Tu vois, c'est pas une mauvaise idée. Tac. Et quand je dis bois, je fais pas de différence entre ce morceau-là, ou ces morceaux-là, ou les troncs. Ou alors peut-être que je ferai un truc exprès pour les troncs d'arbres. Mais bon, les troncs d'arbres, dès que je les prends, en général, je les crafte, quoi. C'est pas... Je vais pas qu'on m'amuse à couper les troncs d'arbres et les laisser par terre. On est pas mal, on est pas mal, j'adore ça, on a fait beaucoup d'avancées là dans cet épisode. Je sais pas depuis combien de temps je suis, il faudrait vraiment je pense à mettre un chronomètre parce que je pense jamais à le faire et ça me porte toujours défaut. Mais on est bien, mais on est vraiment bien. Tac. Déjà, les sodas, vous allez là. Hop là. Ouh, je commence à avoir faim. On va devoir commencer à trouver une source de nourriture. Parce que c'est bien de se nourrir toujours de tous les trucs qu'il y a par terre, mais voilà. On en manque là, on n'a pas beaucoup à manger. Donc, pour la nourriture, ce qu'il nous faut, c'est des poulets. Et les poulets, eh ben, il faut construire ça. Voilà. Énormément de matériaux. Énormément de composants. Je pense qu'on va devoir aller chercher... Je sais où on va aller. Je sais où on va aller. C'est loin, c'est très loin, mais ça en vaut le coup. C'est chiant, parce qu'il faut passer par des endroits vraiment très galères, mais ça en vaut le coup. Donc il est quelle heure là? 10h44? On va le faire maintenant. Ah non, le mist va pas tarder à arriver. Il y a toujours un mist par jour. Et l'heure de question que je sorte avant le mist. Donc on va continuer à faire nos affaires, prendre des matériaux, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Bah manger, on va commencer par manger, hein, j'ai envie de vous dire. On va toujours fermer la porte, on sait jamais. Hop, mange ça. Et quand le mist va arriver... Eh ben on va se casser. Et on va aller looter. Et pour aller looter, on va aller dans une espèce de... comment on appelle ça? Les suburbs, on appelle ça en anglais. Les quartiers, ou je sais pas vraiment le terme. Mais on va aller là-bas, parce qu'il y a beaucoup de loot. Et on va se faire plaisir. Je vais dormir une heure pour être sûr que là, parce que le mist il veut pas venir et ça me perturbe. Toujours pas? Non, peut-être qu'il viendra pas. Pour l'instant, normalement, il y en a un par jour. J'en ai toujours eu un par jour minimum. Et c'était toujours la matinée. Mais bon, peut-être que je me suis trompé. Bah j'ai perdu une heure de temps, tant pis. On y va maintenant. Je suis pas serein, mais bon. Alors pour y aller, une grosse galère, on va la passer par la forêt. J'ai pas le choix parce que là sur la route là-bas il y a des bandits et j'ai tout simplement pas envie de passer avec les bandits. Hein. Ça va me faire mal. Ou est-ce que je dis une bêtise et que je peux passer par là? Non!
Attends, où est-ce que je suis là? Ah non! Attends. Quoi? Ah non, je suis dans le sens opposé. Oh, vous l'avez vu? Il a eu peur. Il a eu peur parce qu'on était en voiture. Il a eu peur parce qu'on était en voiture. Mais vous l'avez vu? Oh là là. Satané ours. Oh, regardez-moi ça. C'est ça, casse-toi, ouais. Alors on a peur, hein. Ah, on a peur, hein. Il a plus trop peur. Ok. Donc moi, il faut que je passe au-dessus de la montagne qui est là. C'est plus loin. Oh tiens. Pour aller chercher, pour aller dans ce village, c'est vraiment très galère. La route, par la route, c'est très facile, mais malheureusement, bah, la route, je peux pas l'utiliser parce qu'il y a, les bandits. Et je vais pas me prendre le risque de me faire taper par des bandits. Hein. Ça, non merci. Je sais pas si ça donne des composants, ça déjà. Attends, déjà. Voilà. Allez, faire gaffe à l'essence. Ouais, la route est compliquée. Comment y accéder? Oh là là. Sans les bandits. À pied c'est facile, mais bon, maintenant que j'ai une voiture, je vais pas y aller à pied quoi. Ah, ça donne pas de composants. Ah, c'est toujours ça à prendre, mais bon. Réfléchissons, parce que je sais que là, le vais, il y a des armes. À côté, dans un outpost, il y a des armes. Il y a beaucoup de loot, des améliorations de l'inventaire. Donc il y a beaucoup. C'est très intéressant d'y aller. Mais je sais plus par où passer. Tu sais quoi, déjà on va faire les deux petites maisons. On va peut-être pas aller tout de suite au quartier et garder ça pour la prochaine fois. On va aller dans ces petites maisons looter. Et on va peut-être arrêter l'épisode parce que le temps que je fasse ça, après à mon avis ce sera fini. On va même y aller en voiture si on doit se replier. Attends, j'ai pas looté ça. Ah bah ouais, j'ai pas looté, ouais. En effet. L'essence. Hop là. Tac. Toujours prendre l'essence, c'est très important. Là, derrière là-bas. Alors, regardez, je vais vous montrer. Tac. Là-bas. Dans la maison, vous pouvez voir là-bas, il y a des zombies. Et des infectés, pardon. Là-bas, il n'y a rien. Et il y a du loot. Rien de dangereux, il y a du loot. Je pense que ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire ces deux maisons là. Sur le côté. Et après on va les diriger sur la maison du fond où il n'y a rien. C'est pas dangereux et qu'il y a du... Je sais pas s'il y a des infectés là. Je ne m'en rappelle pas, mais vu que c'est une maison, je pense qu'on devrait être relativement tranquille. Justement. Une maison qu'on peut habiter, je veux dire. Ouais. J'ai cru entendre le... brouillard, je dis oh non, pas possible. Ouais, y a rien, c'était pas intéressant. Là-bas, je vérifie, mais pour moi, y a des infectés. Ouais, on est rempli. J'ai pas le. Oh putain. Oh putain. Ouais, c'est ça. Ouais, casse-toi. Ouais. Il y en a que deux. Si on a deux, je peux peut-être faire un truc, les gars. Si on a deux, je peux peut-être faire un truc. Regardez. Quoi? J'ai pas touché là? C'est une honte ce jeu. Il en reste un, j'ai plus de balles. On va se faire au couteau les gars, on va se faire au couteau. Tu me toucheras pas. Oh, arrête. Ben voilà, bon, on l'a, ils a eu. Je sais pas qu'il me touche. Heureusement, il m'a pas blessé. Parce que là, vous direz, oh, c'est que ça, tu peux y aller souvent faire les maisons. Non, non, des fois, là, il y en a avec deux, j'ai beaucoup de chance. Et des fois, quand il vous touche, il vous blesse très, très fortement. Et c'est très chiant. Oh, des munitions, parfait. Bon, on s'en est bien sorti. Tac. Ouais, une mission. Ça valait bien le coup. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant là? Tac. Donc.
Maintenant qu'on a noté les trucs les plus intéressants, on a débarrassé une maison des zombies, ça c'est désinfecté, ça c'est bien. Ça j'en ai rien à foutre. Fallait par contre évidemment que je le mette dessus. Ah non, je n'ai pas... Ah, je veux pas ouvrir ça, malheureusement. Qu'est-ce que j'aimerais bien rentrer dedans. J'ai pas de place, ouais, ça me semblait, bah écoute, ça on s'en fout. Y'a rien à ouvrir. Ok. Non, 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 non. Je suis bloqué. Oh, oh, yes. Alors, pour vous expliquer pourquoi, j'ai déjà eu un bug comme ça et je me suis retrouvé bloqué. Et j'ai dû recommencer et j'ai pas pu sauvegarder. Enfin bref, j'ai tout perdu quoi, toute ma progression. Et, bah, ça tombe d'où ça. Et je pensais vraiment que j'étais bloqué là, mais oh, quel soulagement les amis. Quel soulagement. Ça m'aurait vraiment fait, ça m'aurait vraiment embêté, pour rester poli, de vous dire. De devoir se dire, bah bon les gars, on est foutus, hein, voilà, tout ce que j'ai fait dans cet épisode ne sert à rien, et du coup je vous aurais même pas montré ça au final. Je vais rien apprendre ça plus tard. Ah, oh, le soulagement. Parfait. Eh ben allez, on va aller remettre tout ça dans la voiture et on va se casser, tout simplement, on va retourner à la maison. Bon, de toute façon, les gens, je vais aller visiter la ville dont je vous parlais plus tard, parce qu'au final, vous voyez ça? Ça, c'est un camp de bandits. Là, ça, c'est un camp de bandits. Parce qu'au final, on a fait beaucoup de choses dans cet épisode et c'est déjà largement suffisant. Je pense, je sais pas depuis combien de temps je tourne, mais ça fait un sacré paquet de temps. Donc, merci d'avoir suivi l'épisode, les gars. J'espère... Là, je suis rentré dans quelque chose, là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire que... Non, ben non, parce que cette vidéo, je vais continuer à filmer, je vais pas encore upload. Donc, vos commentaires, je les lirai pas tout de suite. Je suis désolé, mais je ne pourrais pas les lire tout de suite parce que, simplement, je joue encore. Mais j'espère que ça vous plaît en tout cas et que vous pourrez me laisser des commentaires que je lirai quand même et que je prévoirai pour les prochains épisodes. Les prochains épisodes, pardon. Donc voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, on va quand même rentrer. Oh, c'est le brouillard ça. À la maison. Elle est où la maison? Elle est pas censée être là la maison? Ah bah elle est là. Je suis bête. Donc voilà, on va quand même se garer. Allez, ça passe large. Voilà, on se gare. On est bien à la maison. Merci d'avoir regardé la vidéo. S'il te plaît. Et à bientôt les amis pour le prochain épisode. Ciao ciao.